et bienvenue sur la chaîne éducative tunisienne. Cette séance est destinée aux élèves de la quatrième science technique, matière génie mécanique. Dans cette séance, on va traiter ensemble un sujet de BAC, et je vais profiter de cette, de cette séance pour vous rappeler quelques conseils d'ordre opérationnel, comment vous réaliser, ou bien qui peuvent vous aider lors du traitement d'un sujet de BAC. Alors, pour cela, j'ai choisi le sujet de BAC, session de contrôle 2016. Qui s'intitule Caméra mobile pour événements sportifs. Donc vous avez le QR code que vous pouvez scanner et qui peut vous aider directement, ou bien qui peut vous mener directement euh, au lien de ce sujet. Donc pour commencer, présentation du système. En athlétisme, l'événement qui attire l'attention d'un grand nombre de téléspectateurs est l'épreuve du 100 m masculin, notamment lors des Jeux Olympiques. Afin de retransmettre par vidéo cet événement, et d'assurer une meilleure qualité d'image, une caméra mobile figure 1 est fixée sur un chariot se déplaçant sur des rails parallèlement à la piste de course. Sur la figure 1, vous voyez donc les coureurs en situation et la caméra qui va suivre les coureurs. Sur la figure 2, on voit la caméra pivotante qui est entraînée en déplacement sur des rails grâce à un moteur M1, un réducteur de vitesse, une poulie 35 diamètre 25 cm, et il y a une poulie de renvoi de l'autre côté diamètre 25 cm aussi. Alors, description du mécanisme de déplacement de la caméra sur les rails. Ce paragraphe est tiré du dossier technique. Donc, lorsque vous lisez le paragraphe de la description de la partie opérative dans un sujet de bac, vous devez impérativement mettre le dessin d'ensemble devant vous pour que vous puissiez lire simultanément le paragraphe et, vous, et suivre sur le dessin d'ensemble. Donc le dessin d'ensemble, dans ce cas-là, page 7 sur 7 du dossier technique, c'est ce dessin d'ensemble qui est posé. Le dessin d'ensemble, page 7 sur 7 du dossier technique, représente le mécanisme qui permet le déplacement de la caméra sur les rails. Le déplacement de la caméra est assuré par le moteur électrique M1 accouplé au réducteur de vitesse 49, 11, 16, 25, 42. Donc, comme ce, dans ce cas-là, vous voyez qu'on a des repères de pièces. Donc, on va, on va se référer au dessin d'ensemble et on va identifier ces pièces-là. Donc, sur le dessin d'ensemble, j'identifie ici le moteur M1 à ce niveau-là. Ensuite... Un accouplement qui lie l'arbre moteur avec l'arbre d'entrée, repère 49. Les repères des pièces qui sont indiqués dans le paragraphe, à savoir 49, la roue dentée 11, la roue dentée 16, 25 et 42. Donc j'ai identifié ces roues dentées. Donc je vois bien qu'il s'agit d'un réducteur à ce niveau. Si je reviens au paragraphe, donc. Ce réducteur qui, à son tour, transmet le mouvement au renvoi d'angle 26-26'. Donc je reviens au dessin d'ensemble pour identifier le renvoi d'angle 26-26', les deux repères 26 et 26', prime, donc à ce niveau. 26 et 26'. Prime. Donc il s'agit d'un engrenage conique. L'arbre de sortie 36 lié à la poulie 35 entraîne le câble courroie 38 auquel est accroché le chariot porteur de la caméra, provoquant ainsi son roulement sur les rails. L'arbre de sortie 36 lié à la poulie 35. Donc, en revenant au dessin d'ensemble, j'identifie l'arbre de sortie 36 qui est en bas, lié à la poulie 35 et le câble 38 qui va entraîner le chariot portant la caméra. Alors, il est à noter aussi, donc, le mouvement de rotation à la sortie du renvoi d'angle est transmis à la police 35 suivant deux vitesses à sens inversé. C'est très important. Donc, lors de la lecture de ce paragraphe, il faut prendre le temps de bien comprendre les données. Alors. Le mouvement il est transmis suivant deux vitesses différentes à sens inversé. Alors premier cas vitesse lente pour la phase de poursuite la bobine 61 non excitée libère le levier 56 qui est alors attiré à droite par le ressort 60 provoquant ainsi le crabotage du baladeur 45 46 54 avec la roue 42. Lorsque je lis ce paragraphe toujours je reviens au dessin d'ensemble donc, vous, euh, on essaie de suivre le, le fonctionnement. La bobine 61, elle est indiquée à ce niveau-là, système de commande du baladeur. Lorsqu'elle est excitée, elle attire le levier 56. Le levier 56, je l'identifie sur cette figure et je peux l'identifier sur la coupe AA à ce niveau. Donc voilà le levier 56. Donc, à, 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 à partir de cet instant, je dois, si vous voulez, raisonner dans l'espace. Si ce levier fait ce mouvement, ce mouvement-là, au niveau de la coupe AA, la coupe AA, elle est réalisée suivant ce plan de coupe, donc le levier fait le mouvement dans ce sens-là, dans l'espace, dans ce sens-là. Donc il va entraîner en rotation un pignon qui entraîne en translation une crémaillère. Alors la remarque à ce niveau, donc, ou bien un petit conseil, vous remarquez que le dessin d'ensemble, il n'est pas simple. Donc il est assez, si vous voulez, il est assez euh, consistant. Il y a beaucoup de pièces. Donc je vous conseille d'avoir des crayons de couleur avec vous. Et si vous jugez que c'est nécessaire de colorier les blocs cinématiques, faites-le. Parce que si vous perdez 5 minutes de coloriage, vous allez gagner par la suite beaucoup de temps lors de la compréhension. Et je vais vous montrer, si vous voulez, euh, l'effet de... Des couleurs. Donc si je vais vers le dessin d'ensemble coloré, vous pouvez remarquer maintenant que les groupes ou bien les différentes parties du système deviennent plus claires. Vous avez tout ce qui est coloré en vert, en vert foncé, c'est le bâti. En bleu clair, c'est l'arbre arbre moteur qui est lié à l'arbre d'entrée. Donc la partie bleue, si vous voulez, ou bien l'arbre d'entrée va entraîner... Ce que j'ai représenté ou bien ce que j'ai coloré en violet, donc l'arbre intermédiaire. Par la suite, un pignon fou vers une roue folle. J'identifie en rose ici l'arbre de sortie avec le renvoi d'angle. Et en beige ou bien en marron, vous avez l'arbre de sortie sur lequel est fixé euh, la poulie. Donc, avec ces couleurs-là, c'est plus clair ou bien c'est plus facile à comprendre le mécanisme. Donc, si je reviens, dans notre cas, donc, on a dit vitesse lente pour la phase de poursuite et vitesse rapide pour la phase de retour. Position du baladeur sur le dessin d'ensemble, page 7 sur 7. Alors, on me dit la bobine 61 excitée attire le levier 56 à gauche, permettant le crabotage du baladeur avec le pignon arbré 49. Alors, je vais prendre un peu de temps pour comprendre. Le mécanisme. L'arbre moteur va entraîner l'arbre d'entrée 49. Il y a deux cas de figure maintenant. Si la bobine est excitée, donc d'après ce que je viens de dire, le levier est attiré vers la gauche. Et dans ce cas-là, si je passe à la coupe AA, la rotation du levier va provoquer la rotation de cet arbre-là sur lequel se trouve un pignon. J'aurai une translation de la crémaillère. Alors attention, la crémaillère au niveau du dessin d'ensemble est représentée en 3D. C'est pourquoi je vous conseille toujours de profiter au maximum des dessins qui sont donnés sur le dessin d'ensemble. Lorsque vous regardez la crémaillère en 3D, vous vous apercevez que déjà, il y a trois pièces. La crémaillère 45, le crabeau 46 et le coussinet 54. Ces trois pièces sont liées ensemble et ce sont les trois pièces que j'ai colorées à ce niveau-là. En rose et en vert clair. Donc, je les, je les identifie sur la coupe AA. Donc, j'ai un mouvement de translation dans ce sens. Sur, le, sur la vue de face, le mouvement de translation, il est dans ce sens-là. D'après le paragraphe que je viens de lire, si la bobine est excitée, le crabeau se trouve dans cette position-là. Et dans ce cas-là, la transmission de mouvement va se faire de l'arbre d'entrée vers le crabeau, vers l'arbre de sortie. Donc il s'agit d'une prise directe à ce niveau-là et là, le mouvement de rotation est transmis directement de l'arbre d'entrée vers l'arbre de sortie et ensuite va par le renvoi d'angle vers l'arbre porte-poulie. Si la bobine n'est pas excitée, le levier est tiré par le ressort so 60 à ce niveau, donc il est tiré vers la droite, ce qui va provoquer la translation du pignon du crabeau vers la droite. Et j'aurai maintenant le, tra le crabotage entre euh, le crabeau 46 et la roue folle 42. Dans ce cas-là, la chaîne de transmission de mouvement va changer et j'aurai la transmission de l'arbre d'entrée vers la roue 11, ensuite vers l'arbre 18, ensuite à travers ce réducteur 18-25 et la roue folle 42. La roue, pourquoi je l'appelle une roue folle parce qu'au niveau de l'arbre, il y a un coussinet. Donc cette roue va tourner librement. Quand est-ce qu'elle va transmettre le mouvement Lorsque le crabeau va se trouver à droite. Donc lorsque le crabeau va se trouver à droite, la roue folle va entraîner le crabeau et le crabeau va entraîner l'arbre de sortie et ensuite le renvoi d'angle. Donc j'ai pris la peine de bien assimiler le fonctionnement du mécanisme. Maintenant, je peux commencer à répondre aux questions posées. Alors, sachez une chose déjà, je vous conseille, lorsque vous prenez le dossier réponse pour euh, voir le sujet, commencez déjà par jeter un coup d'œil général sur euh, euh, toutes les parties qui sont posées. Pourquoi C'est très important d'identifier les parties euh, que, vous, que vous jugez que vous pouvez traiter rapidement et vous maîtriser très bien. Donc, commencez déjà par cocher. Les réponses que vous voyez qu'elles sont, qu sont faciles. Parce que vous allez prendre une autre rapidement. Et laisser le temps pour les autres questions qui demandent un peu de réflexion. Pour ce sujet-là, par exemple, cette question demande un peu de réflexion et d'analyse du dessin d'ensemble. Je peux la laisser après les autres questions que j'ai jugées que c'est facile. Et j'ai dit l'autre fois, si vous vous rappelez, dans le, la séance précédente, généralement, il y a une partie calcul de résistance des matériaux. Cette partie de résistance des matériaux, elle est indépendante. Vous pouvez travailler indépendamment euh, du dossier technique. Donc, parce que ce sont des applications de formules directement. Alors, maintenant, on va commencer la première question. L'étude se limite au mécanisme de transmission. Voir le dessin d'ensemble à la page 7 sur 7 du dossier technique. Complétez la chaîne cinématique assurant la transmission de mouvement du moteur 1 à la poulie 35, en indiquant le nom et le repère des composants manquants. Remarque, s'il vous plaît. C'est bien indiqué, c'est bien demandé dans la question, indiquer le nom et le repère. Parce que lors, lors des, des corrections des sujets de bac, parfois on trouve des réponses de type l'élève indique seulement le nom ou bien indique seulement le repère. Attention, la question demande le nom et le repère. Donc, pour le nom, bien sûr, vous allez faire référence à la nomenclature. Et donc, vous devez impérativement donner le nom et le repère. Vous aurez une note sur le nom et sur le repère. Donc dans notre cas, le moteur M1, il entraîne l'accouplement. Ensuite, on me demande de voir l'accouplement, qu'est-ce qu'il va, en, qu qu va entraîner. En revenant au dessin d'ensemble, je répète rapidement, l'arbre moteur entraîne l'accouplement à ce niveau. <coughs> l'accouplement, il va entraîner l'arbre d'entrée 49. En revenant à la nomenclature, je trouve euh, le nom de la pièce 49, pignon arbré. Donc, j'indique ici... Pignon arbré 49. Vous remarquez maintenant, il y a une divergence en OU. Si la bobine 61 est non excitée, on va parcourir un chemin. Si la bobine 61 est excitée, on a une autre chaîne de transmission. Alors pour la deuxième chaîne, la bobine 61 est excitée. La réponse m'indique que le baladeur sera à gauche. Et comme on l'a expliqué tout à l'heure, si la bobine 61 est excitée, le baladeur il est tiré à gauche par la bobine. Donc il va réaliser le crabotage directement avec le pignon arbre 49, ce qui va permettre la transmission directe vers l'arbre 29. Donc l'arbre de sortie du réducteur. Et c'est indiqué dans la réponse. Donc bobine 61 excitée, baladeur à gauche vers arbre 29. Je vais maintenant trouver le cas inverse. Si la bobine 61 est non excitée. Donc, on m'indique dans la réponse, déjà la chaîne, on a commencé à réaliser la chaîne, donc on indique que le pignon arbré 49 va entraîner la roue 11, ensuite l'arbre 18, ensuite on me demande de trouver l'arbre 18, qu'est-ce qu'il entraîne. Donc, en revenant au dessin d'ensemble, 49 entraîne 18, 18 entraîne, bah pardon, entraîne 11, 11 entraîne l'arbre 18, l'arbre 18 sur lequel se trouve une roue dentée encastrée, c'est la pièce 16. La pièce 16 ou bien la roue dentée 16 va entraîner la roue que j'ai colorée en rouge, 25. 25 va entraîner la pièce que j'ai colorée en jaune, 42, la roue dentée 42. On a dit tout à l'heure que la roue 42 est une roue folle, donc elle ne peut pas entraîner directement l'arbre de sortie. Par contre, on a dit que le crabeau, il est à droite. Donc vous remarquez qu'il y a un crabotage à ce niveau. Il sera, on aura un crabotage entre 42 et le crabeau 46. Donc. La réponse, arbre 18, pignon 16, roue 42, crabeau 46. J'arrive maintenant à l'arbre 29, l'arbre de sortie 29. L'arbre 29 va, mener, va me mener vers le renvoi d'angle 26-26'. L'arbre de sortie 29 me mène vers, vers le renvoi d'angle 26-26'. Ensuite, le renvoi d'angle va entraîner en rotation l'arbre de sortie sur lequel se trouve... La poulie 35 qui repère 36, et par la suite la roue, euh, plutôt la poulie 35. Donc il me reste juste à indiquer le renvoi d'angle entre l'arbre 36 vers la poulie 35. Donc voilà pour cette première question. Question 1, 2, 1. Donnez le type d'accouplement constitué par les pièces 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En revenant au dessin d'ensemble. Les pièces 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 forment l'accouplement. De quel type s'agit-il On sait qu'on a deux types, accouplement rigide ou bien accouplement élastique. Pour identifier le type, il suffit de voir est-ce qu'il y a une pièce en plastique ou en caoutchouc. En revenant à la nomenclature, je remarque déjà les hachures de la pièce 6, ce sont les hachures de matière plastique. Si je vais vers la nomenclature, c'est indiqué la pièce 6, elle s'appelle gaine en caoutchouc. Donc je conclus alors qu'il s'agit d'un accouplement élastique. Justifier l'emploi de ce type d'accouplement. Alors c'est une question de cours. Donc les accouplements élastiques ont l'avantage de permettre une certaine élasticité entre les arbres, puisqu'il y a un, 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 un élément déformable en plastique ou bien en caoutchouc qui permet donc un, un, un petit décalage ou bien un léger décalage entre les axes des arbres lié donc la réponse permettre un léger déplacement relatif entre les arbres on peut dire aussi permettre une élasticité entre les arbres on peut aussi indiquer que ce type d'accouplement absorbe les chocs et les vibrations question 1 2 2 donner le rôle de la pièce 14 et la pièce 14 en identifiant sur le dessin d'ensemble la pièce 14 donc c'est une vis qui se trouve dans le bâti ou bien dans le carter 15. Donc en réalité ou bien vue réelle, je remarque la présence de cette vis là qui a la forme que j'ai encerclée. Donc il s'agit d'un bouchon pour euh, obturer ou bien boucher le trou par lequel on verse l'huile de lubrification du réducteur. Donc boucher le trou de remplissage d'huile ou bien d'huile de lubrification. La pièce 14 prime ressemble beaucoup à la pièce 14, mais elle se trouve en bas. Donc, dans un réducteur réel, vous pouvez la voir, la pièce 14 prime, elle est en bas. Donc, elle permet la vidange d'huile. Donc, si j'ouvre ce bouchon-là, l'huile de lubrification va sortir par cet orifice. Donc, la pièce 14 prime, c'est pour boucher le trou de vidange d'huile. Question 3. Donnez les noms et les repères des pièces qui contribuent au guidage en translation de la crémaillère 45. J'identifie la crémaillère 45 sur le dessin d'ensemble vue de face. C'est la pièce que j'ai colorée en vert clair à ce niveau-là. Alors, le guidage en translation de cette crémaillère, il est par rapport au bâti que j'ai représenté en vert foncé. La question qui peut se, qui peut se poser les deux pièces apparemment n'ont pas de liaison sur cette vue-là. Là, on voit bien l'utilité de la lecture du dessin. La lecture du dessin, il faut bien lire le dessin. Celui qui a donné cette, euh, ce dessin-là a jugé nécessaire de réaliser une coupe AA pour vous montrer un détail très important. Ce que vous voyez en rose et en vert, euh, en vert foncé qui ne sont pas liés à ce niveau, si on va vers la coupe AA, on remarque qu'il y a en fait une liaison. Mais qui était cachée. On ne la voyait pas sur la vue de face. On peut la voir sur la vue de droite en coupe AA. Donc, la crémaillère en rose avec le bâti, et je remarque ici la présence d'une vis à tétan. La forme cylindrique de la crémaillère, avec la vis à tétan dans une rainure, ça permet l'arrêt en rotation. Donc, on laisse seulement le mouvement de translation, d'où le guidage en translation. Alors, les pièces qui ont participé, ce sont ces deux pièces-là. En revenant à la nomenclature, la pièce 57 c'est une vis sans tête à tête en long M6 et l'écrou 58 c'est un écrou hexagonal M6. Donc je donne la réponse vis sans tête à tête en long 57 et écrou hexagonal 58. Question 3 Indiquez sur le tableau suivant les noms et les repères des éléments et/ou les surfaces assurant la mise et le maintien en position des assemblages proposés. Premier assemblage proposé carter 10 avec le corps 15. Donc sur le dessin d'ensemble, première chose à faire, j'identifie les deux pièces, 10 et 15. Deuxième chose à faire, je cherche là où il y a le contact entre les pièces, c'est-à-dire je remarque à ce niveau-là, cette surface-là, c'est le contact entre les pièces 10 et 15. Donc j'identifie la nature de cette surface-là. Je peux comparer cette surface par rapport à l'axe de la pièce. Je remarque que c'est une surface perpendiculaire à l'axe, donc je conclus que c'est une surface plane. Donc j'indique surface plane. Ensuite, je remarque qu'il y a une pièce intermédiaire entre la pièce de 10 et 15. C'est cette pièce-là, 12. Alors 12, il s'agit bien d'une goupille. Je profite pour vous rappeler que la goupille, parce que c'est une question fréquemment posée par les élèves, donc je vous rappelle que la goupille peut servir à deux choses. Donc la goupille, c'est une cheville métallique qui sert à soit immobiliser une pièce par rapport à une autre pièce, on l'appelle dans ce cas-là goupille d'arrêt, comme le montre la figure ici, ou bien la goupille peut servir pour positionner une pièce par rapport à une autre pièce. Et dans ce cas-là, on l'appelle goupille de positionnement, ou bien goupille de centrage, ou bien pied de positionnement, ou pied de centrage. Donc la goupille... En revenant à la nomenclature, je conclus que 12 c'est une pièce euh, qui s'appelle pied de positionnement. Donc son rôle c'est la mise en position euh, entre 10 et 15. Alors une question qui est fréquente par les élèves ou bien une confusion qui est faite par les élèves, les élèves ont toujours tendance à mettre la goupille dans le maintien en position. Non, s'il vous plaît, j'attire votre attention que la goupille ne peut pas réaliser le maintien, seulement le positionnement, parce que je peux encore séparer les pièces. Donc retenez bien le pied de positionnement et la clavette ce sont des assemblages, ce sont des pièces de mise en position et non pas de maintien en position. Le pied de positionnement et la clavette, on les trouve toujours dans la mise en position. Donc dans notre cas, j'indique mise en position donc pied de positionnement 12 pour le maintien maintenant pour la fixation, je remarque sur le dessin que les deux pièces 10 et 15 sont maintenues par les pièces 47, en revenant au dessin, au, à la nomenclature. 47, c'est une vis à tête cylindrique à six pans creux. Bien sûr, il faut indiquer le nombre de vis. Vous remarquez qu'il y a 7 vis. Et vous vérifiez bien, les vis sont menus de rondel groer ou bien rondel frein. Donc la bonne réponse, 7 vis 47 plus rondel. J'ai indiqué le nombre de vis. Donc 7 vis 47 plus les rondelles, ou bien 7 rondelles. Alors le deuxième assemblage, c'est l'assemblage entre le moteur 1 et le carter 10. J'identifie les deux pièces 1 et 10. Ensuite, j'identifie les surfaces de contact. Je remarque qu'un premier contact à ce niveau-là, comparé à l'axe, c'est un... C'est un trait, si vous voulez, perpendiculaire à l'axe. Donc je conclus que c'est une surface plane. Ensuite, j'identifie un deuxième contact à ce niveau. Regardez bien. Comparé à l'axe, c'est un, un trait parallèle à l'axe. Donc je conclus que cette surface que j'ai colorée en bleu, c'est une surface cylindrique. Donc j'indique dans la mise en position surface plane plus surface cylindrique. Notez bien que je peux appeler surface plane plus surface cylindrique par emboîtement cylindrique. Ou bien je peux dire aussi surface plane et centrage court dans ce cas. Pour le maintien, j'identifie les pièces 53 qui réalisent le maintien entre la pièce 1 et la pièce 10, munies de rondelles freins. Donc en revenant à la nomenclature, je vérifie le nombre des vis. Je trouve 4 vis. Donc, j'indique dans la réponse 4 vis 53 plus 4 rondelles comme réponse. Question 1-4. Compléter le schéma cinématique ci-dessous selon la position indiquée par le dessin d'ensemble. Alors, la première liaison, je vais traiter cette liaison-là entre 11 et 18. En revenant au dessin d'ensemble. La pièce 11 est liée à l'arbre 18 par une clavette qui réalise l'arrêt en rotation, à ce niveau, une bague entre toises à droite et une bague entre à gauche, plus un épaulement sur l'arbre. Donc arrêt en rotation, arrêt en translation, ça me donne une liaison encastrement que je représente sur le schéma cinématique par son symbole. La deuxième liaison, je vais faire la liaison entre 35 et l'arbre de sortie sur lequel est fixée la poulie. En revenant au dessin d'ensemble, je parle de cette zone-là. Je remarque la présence des cannelures qui réalisent l'arrêt en rotation entre les deux pièces, un épaulement au niveau de l'arbre, un maintien par une rondelle et une vis, 37. Je conclus alors que cette liaison, c'est une liaison encastrement. Je la représente sur le schéma cinématique. Troisième liaison, je vais traiter maintenant la liaison entre la pièce 29. Et la pièce 42. En revenant au dessin d'ensemble, la pièce 29, c'est l'arbre de sortie que j'ai coloré en rose. Et la pièce 42, c'est la roue folle que j'ai colorée en jaune sur le dessin d'ensemble. Et je remarque la présence d'un coussinet entre les deux pièces. Un arrêt en translation réalisé par épaulement et un autre arrêt en translation réalisé par l'anneau élastique à ce niveau. Un anneau élastique à ce niveau, un épaulement à ce niveau. Donc pas de translation, seulement le mouvement possible rotation. Donc il y a un guidage en rotation par coussinet, ce qui me donne une liaison pivot que je vais représenter sur le schéma cinématique par son symbole. La troisième liaison, je vais parler de la liaison entre ce trait-là qui représente toujours l'arbre 29 et ce petit trait que vous voyez ici. Que je dois identifier d'après l'indication, c'est la pièce 46, c'est le crabeau 46. En revenant au dessin d'ensemble, donc la pièce 29 c'est toujours la pièce colorée en rose, la pièce 46 c'est la pièce colorée en vert clair. Vous remarquez la présence de canulure entre les deux pièces. Je conclus alors qu'il y a un arrêt en rotation entre les deux pièces. Par contre, je ne vois pas d'arrêt en translation il n'y a pas quelque chose qui empêche la translation de plus d'après le fonctionnement que je viens de lire et que je viens de traiter dans la, de, de traiter dans la question précédente je sais que la pièce est animée d'un mouvement de translation je conclus alors que cette liaison c'est une liaison glissière donc je la représente sur le schéma par son symbole enfin la dernière liaison c'est entre ce trait là je continue avec ce trait, je remarque qu'il appartient à la pièce 15, c'est le bâti. Et ce petit trait que vous voyez là, que je dois identifier, je n'ai pas trouvé de repère, mais si je fais la symétrie de ce petit trait là par rapport à l'axe, je remarque que sa symétrie, c'est ce trait là. Donc il appartient à la pièce 45. Donc je suis en train de chercher la liaison entre la crémaillère 45 et le bâti 15. En revenant au dessin d'ensemble. Sur la vue de face, la pièce 45, c'est la pièce colorée en rose, à ce niveau. La, le bâti, c'est la pièce colorée en vert, en vert foncé. Sur la vue de face, je ne vois pas de liaison, mais tout à l'heure, on a vu l'importance de la coupe AA à ce niveau. En passant vers la coupe AA, je remarque que la liaison par la vis à tétan et qu'on a conclu tout à l'heure qu'il s'agit d'un guidage en translation. Bien sûr sur la coupe AA le mouvement c'est suivant l'axe sortant. Dans la vue de face bien sûr le mouvement il est dans ce sens-là longitudinal. Donc la liaison c'est une liaison glissière que je vais représenter sur le schéma cinématique par son symbole. Voilà la liaison glissière. Voilà donc le schéma cinématique complet. Je passe à la question suivante. Étude du réducteur alors maintenant, on est entré dans la partie calcul. Si vous avez remarqué, j'ai traité la partie études technologiques. Alors, étude technologique. Alors, l'étude du réducteur, on donne le diamètre de la poulie 35 D35 égale à 250 mm. Phase 1, c'est bien souligné et en gras. Vitesse rapide. Ça veut dire, il faut retenir qu'on a lu tout à l'heure dans le dossier technique, qu'il y a deux phases. Vitesse rapide, la vitesse de déplacement de la caméra est imposée. V maximale égale à 20 mètres par seconde. Question Calculer la vitesse de rotation N35 maxi de la poulie 35. On va chercher la vitesse de rotation de la poulie 35 dans le cas où la vitesse de déplacement est maximale. La pièce 35, c'est une pièce, ou bien la poulie 35, elle est en mouvement circulaire uniforme. Donc la vitesse linéaire Vmax s'écrit sous la forme Vmax égale à R35 fois oméga 35 max. En remplaçant oméga par 2πn sur 60, donc j'aurai R35, je l'ai remplacé par D35 sur 2. Oméga35, c'est 2πn35 sur 60. Je peux tirer N35, je peux déjà simplifier par 2 et 2, et je tire N35 égale à 60 fois Vmax sur pi fois D35. Les données sont disponibles. Je peux faire l'application numérique. Vmax, c'est 20 mètres par seconde. Diamètre 35, c'est 250 mm. Remarquez bien que j'ai fait la conversion pour mettre les deux variables dans la même unité. Donc j'ai remplacé 250 mm par 250, 10 moins 3 pour le rendre en mètres. L'application numérique me donne 1527,88 tours par minute. En déduire maintenant la vitesse de rotation du moteur 1. Déjà, vous remarquez la question commence par en déduire. Ça veut dire, c'est lié à la question précédente. Donc, je dois, je dois réfléchir un peu. Je suis dans la phase 1, vitesse rapide. J'ai trouvé la vitesse de rotation de la poulie maximale, 1527,88, et on me demande d'en déduire la vitesse du moteur 1. Donc, dans ce cas-là, je vous rappelle que pour la position 1 ou bien la phase 1. Il y a crabotage direct entre le pignon arbre 49 en bleu euh, clair avec le crabot 46 en vert clair qui entraîne directement l'arbre de sortie. Donc si je vais vers le dessin d'ensemble, j'ai calculé la vitesse de rotation de la poulie maximale. La vitesse de rotation maximale. 1527,88 tours par minute. Je conclus que cet arbre tourne à 1527 tours par minute. Il y a un renvoi d'angle composé de deux roues coniques identiques, ça veut dire elles ont le même nombre de dents, donc le rapport est égal à 1. Je conclus alors que l'arbre de sortie tourne à la même vitesse que l'arbre porte-poulie. Étant donné qu'il y a un crabotage direct à ce niveau, donc l'arbre d'entrée va tourner à la même vitesse, et par suite, puisque l'arbre d'entrée est accouplé à l'arbre moteur, il tourne à la même vitesse. Donc, nous sommes dans le cas d'une prise directe. Donc, N1 égale à N35 maxi, ce qui me donne la même valeur que j'ai trouvée tout à l'heure, 1527,88 tours par minute. Pour la phase 2, vitesse lente, la vitesse de déplacement de la caméra V mini égale à 10 mètres par seconde. Maintenant, calculer la vitesse de rotation N35 mini de la poulie 35. De la même façon que j'ai traité la question précédente, on me demande de trouver la vitesse de rotation de la poulie je vais appliquer la, la formule de la vitesse linéaire. V égale à R fois oméga, donc V mini égale R35 fois oméga 35 mini. En remplaçant de la même façon comme la question précédente, R par D sur 2 et oméga par 2 pi N sur 60, je tire N35 mini égale à 60 V mini sur pi fois D35. Et je fais l'application numérique. Je n'oublie pas de remplacer le diamètre en mètres, donc 250 fois 10 moins 3, ce qui me donne une vitesse de rotation de 764 tours par minute et vous remarquez que la vitesse minimale bien sûr est inférieure à la vitesse maximale. Question 4. Sachant que la vitesse de rotation du moteur N1 égale à 1528 tours par minute, donc on vous a donné la vitesse du moteur, même si vous ne l'avez pas trouvé dans la question précédente, c'est pourquoi je profite pour attirer votre attention que même si vous n'arrivez pas à répondre à une question, pensez toujours à passer aux questions suivantes. Vous allez trou euh, euh, donc, euh, euh, trouver la solution pour les questions suivantes. Ce n'est pas la peine le, lorsque vous vous bloquez en une question. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas traiter les autres questions. Quand vous remarquez pour cette question-là, on vous a donné le résultat qu'il fallait trouver. Donc, N1 égale à 1528 tours par minute. Calculez le nombre de dents de la roue, 11. On me demande de chercher un nombre de dents, Z. Donc, si je reviens au schéma cinématique ou bien au dessin d'ensemble, donc là, là, je suis dans la position phase 2, c'est-à-dire la phase euh, lente. La le mouvement, comme on l'a vu tout à l'heure, il passe par, à travers le réducteur. Donc je peux conclure que N35 mini sur N1, la vitesse à la sortie, sur la vitesse à l'entrée, c'est le rapport global. Et si je la formule du rapport global par le nombre de dents On rappelle que le, le rapport, c'est produit des aides menantes sur produit des aides menées. Donc là, il faut vérifier il faut faire attention. La première roue menante, c'est 49, elle va entraîner 11. Ensuite, l'arbre intermédiaire, 16, va entraîner un pignon fou qui va entraîner la roue 42. Et on a dit, si vous voulez, dans le cours, que le pignon fou ou bien la roue folle n'a pas d'influence sur le rapport, parce qu'elle est une fois menée, une fois menante. Donc elle va se simplifier. En fin de compte, 49 menantes, 11 menées, 16 menantes, 42 menées. Donc produit des Z menantes sur produit des Z menés me donne Z49 sur Z11 fois Z16 sur Z42. On me demande de trouver Z11. Donc je tire Z11 de cette équation-là. Je remplace ici, je mène Z11 vers N35 Mini, je mets 35 mini à la place de Z11, ce qui me donne Z11 égale à N1 fois Z49 sur N35 Mini fois Z16 sur Z42. Alors j'ai besoin des nombres de dents pour faire l'application numérique. Je fais référence maintenant à la nomenclature. Donc si je vais vers la nomenclature, on m'a donné Z49 égale 60 dents, Z16 égale 24 dents et Z42 égale 48 dents. Je fais l'application numérique, je trouve Z11 égale 60 dents. Voilà donc pour cette question. Maintenant, je passe à un autre calcul, choix de matériaux de l'arbre de sortie 36. Les données, l'encombrement et la masse du mécanisme de transmission exigent que le diamètre de l'arbre 36 ne dépasse pas 16 mm. Sachant que l'arbre 36 transmet un couple maximal Cmax égale 40 Nm, déterminer la contrainte tangentielle taux maxi due à sa torsion. Vous voyez que cette question, je peux la traiter sans voir le dessin d'ensemble. C'est pourquoi j'ai dit dès le début, jetez un coup d'œil global rapidement. Les questions que vous, qui vous apparaissent faciles, traitez-les au début. Ici, on m'a donné un diamètre et un couple. On me demande de calculer la contrainte. Donc, c'est une formule à appliquer tout simplement. La formule de la contrainte tangentielle, ton max égale C max sur I0 sur V, le module de torsion. Par simplification, C max fois 16 sur pi dO cube, parce que I0 sur V, c'est pi dO cube sur 16. C'est une formule retenue déjà. Application numérique, vous voyez, formule, application numérique, ce n'est pas trop difficile, donc 60 fois 40 newton mètre bien sûr, attention à la conversion des unités, donc j'ai remplacé 40 newton mètre par 40 10, 3, ou bien 40 000 newton pour obtenir à la fin une contrainte tangentielle Tomax égale 49,73 newton par millimètre carré. La question 2A. Complétez sur le tableau la valeur de RPG. Bien sûr, je lis avant les données. Le constructeur doit choisir au moins un type d'acier du tableau ci-dessous. On vous a donné un tableau qui vérifie les deux conditions de D36 maxi et C maxi avec un coefficient de sécurité S égale à 5. La question posée complétez sur le tableau la valeur de RPG relative à chaque type d'acier, sachant que REG égale à 1,5 RE mini. Dans le tableau, on vous a indiqué. 4 matériaux différents, quatre matériaux ou bien quatre aciers différents, RE mini en newton par millimètre carré, on vous demande de calculer RPG. Alors attention s'il vous plaît, un tableau dans un sujet de bac, on ne peut pas mettre des valeurs sans indiquer comment on les a trouvées. Ne, met, ne mettez pas des valeurs dans un tableau sans indiquer comment vous l'avez trouvée. Donc il faut mettre la formule, ensuite indiquer la valeur. On me demande de calculer RPG, c'est une formule de cours, RPG égale à REG sur S. Je remplace REG par 1 demi RE mini. Donc S c'est 5. Je peux trouver alors que R, euh, RPG égale à RE mini c'est 10 sur 10. Donc le calcul il est facile. Il suffit de diviser les quatre valeurs par 10. Donc ce qui me donne 31,5, 49, 61,5 et. 78,5 bien sûr newton par millimètre carré. Question 2, citer le ou les types d'acier qui conviennent. Alors là, on fait référence à la question précédente parce qu'on ne peut pas on ne peut choisir les matériaux qui conviennent que si on compare les RPG avec Tomax. Dans la question précédente, on a trouvé Tomax égal à 49,73 newton par millimètre carré. Je dois choisir les matériaux qui ont une, une résistance pratique plus grande que Tomax. Donc, les deux, les deux matériaux convenables, c'est le 10 NC6 ou bien le 25 CD4. Justifiez votre réponse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que la contrainte au max reste inférieure ou égale à RPG, avec au max égale à 49,73 MPa ou bien Newton par millimètre carré. Question suivante. Alors, on est passé à autre chose maintenant cotation fonctionnelle. Même chose, cette partie vous pouvez la traiter indépendamment de la lecture du dessin d'ensemble ou bien du dossier technique. Alors, la question 4.1. Le montage du roulement neuf exige un jeu latéral au niveau de sa bague extérieure. Regardez bien et vérifiez bien le dessin. Le roulement neuf exige un jeu latéral, c'est-à-dire des côtés, au niveau de sa bague extérieure. Donnez la position de ce jeu dans le cas où a est mini, a est maxi. Donc le jeu ne peut être dans ce cas-là, puisque je regarde que la, la bague extérieure, elle est liée à gauche par un épaulement sur la pièce 10 et à droite par un anneau élastique au père 66, de ce côté-là, à droite. Donc le jeu ne peut être que qu'entre 66 et la bague extérieure de 9 ou bien entre 10 et la bague extérieure de 9. Alors là, il faut penser un peu. On me demande de situer la position de ce jeu dans le cas où A est mini pour avoir cette distance minima. Et connaissant que la pièce 10, c'est un couvercle ou bien c'est un carter qui est lié au bâti. Ça veut dire que cette pièce ne peut pas bouger. Donc pour avoir cette distance minimale, la vis doit être poussée à gauche. Donc la vis étant liée à l'arbre et, et le roulement étant lié à l'arbre, donc toutes ces pièces sont poussées à gauche au maximum. Donc le contact sera réalisé entre le roulement et l'épaulement et le jeu sera entre l'anneau 66 et la bague extérieure de 9 donc j'indique jeu entre la bague extérieure et l'anneau élastique 66 dans le cas inverse si a est maxi pour avoir cette distance au maximal le a au maximal la pièce 64 doit être poussée à droite au maximum donc le roulement sera tiré à droite au maximum donc il aura appui sur le, sur l'anneau élastique et le jeu maintenant il va être entre l'épaulement de 10 et la bague extérieure de 9 donc j'indique, jeu entre la bague extérieure et l'épaulement du carter 10. Maintenant, on me demande de tracer la chaîne de code relative à la condition A mini. Bien sûr, comme on a déduit dans la question précédente, il faut faire attention. Alors avant tout, j'identifie les deux surfaces. Donc la, pièce, la, la surface terminale, la première surface terminale, c'est 10. La deuxième surface terminale, c'est 64. Étant donné que A est mini, je tiens compte qu'il y a un jeu à ce niveau-là entre 9 et 66. Donc je ne peux pas passer par ce contact-là. Je remarque maintenant qu'il y a un contact entre 10 et 9. Donc j'indique que cette surface de contact, c'est 10 sur 9. Ensuite, je remarque que la pièce 9 a un contact avec la pièce 65. C'est la même surface. Donc attention, s'il vous plaît, ne faites pas l'erreur de tirer un autre trait de ce côté-là et de mettre... Un deuxième contact. Non, c'est une surface commune à deux pièces. Donc j'indique sur le même trait, 9 est en contact avec 65. Je remarque que 9 est noté deux fois. Donc c'est une pièce intermédiaire qui a permis de passer de 10 à 65. Je peux la simplifier. Ensuite, 65 est en contact avec 64 à ce niveau. Et voilà, j'ai trouvé 64. Donc la chaîne est fermée. Le départ, c'est toujours de l'origine, donc c'est de 10. Maintenant, je peux suivre les not la notation que j'ai faite en bas. Donc, je vais mener une cote de 10 vers 10, notée A10. Ça devient facile maintenant, suivre les repères. Donc, de 10 vers 10, A10. Je trouve 65. Je l'amène vers 65. Donc, A65. Je trouve 64. Je reviens à 64. Et la chaîne est fermée par la cote A64. Voilà pour cette question. Dernière partie du sujet, représentation graphique du couvercle 34. Alors c'est la partie graphique. Je vous rappelle s'il vous plaît, ou bien c'est un petit conseil, essayez d'avoir un matériel convenable pour le dessin. Donc préparez-vous à avoir une règle, un équerre, un rapporteur s'il le faut, un compas en bonne forme, donc pour réaliser des dessins convenables. La question qui est posée... Compléter la représentation du couvercle 34 à l'échelle du dessin par la vue de face en coupe CC sans détail caché, la vue de gauche, et la deuxième question, inscrire les tolérances des codes fonctionnels et les tolérances géométriques nécessaires au bon fonctionnement du mécanisme. Donc si je jette un coup d'œil sur ce qui est proposé, vous remarquez, la deuxième question, c'est une question facile. Il, il suffit d'indiquer ici deux symboles. Donc je commence par cette question-là, pour ne pas perdre deux points parce que parfois les élèves ont tendance à oublier les dernières questions et ce sont, ce sont des questions faciles. donc essayez d'avoir directement un coup d'œil sur les questions faciles. donc on va indiquer par la suite alors les, euh, les symboles ou bien les tolérances géométriques et on me demande d'indiquer les tolérances au niveau de deux côtes. là je vais commencer par la première question c'est à dire le dessin étant donné que j'ai une coupe CC déjà. Il faut commencer par identifier la vue de face. Il suffit de lire CC à ce niveau-là. Donc j'identifie que ça, c'est la vue de face. Et ça, c'est la vue de gauche sur laquelle est indiqué le plan de coupe. Remarquez que vous avez un plan de coupe à ce niveau-là. C'est une coupe brisée à plan séquent. Donc je rappelle rapidement le principe. Pour la partie... Euh, si vous voulez, droite de la coupe. Il n'y a pas de problème. On va projeter directement. Pour la partie brisée, cette partie-là, le principe c'est quoi Vous coupez mentalement, ensuite vous faites tourner cette partie ou bien ce plan-là au niveau de l'axe principal, c'est-à-dire l'axe droit, et ensuite vous projetez. Je commence par réaliser déjà la projection droite, donc à savoir les détails cachés ou bien les, 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 les détails de la vue de face vers la vue de gauche. Donc vous avez le 3D qui peut vous aider. Remarquez, nous sommes en vue de gauche, donc nous sommes dans ce sens-là. Il manque un seul détail vu, c'est ce cercle-là. Donc il est tiré à partir de cette projection. Il y a des détails cachés maintenant. Ce sont les alésages à ce niveau-là et un chanfrein et un, une forme cylindrique. Donc ce sont ces projections-là. Donc ce qui me donne le cercle... En très fort et les cercles entrée interrompues, les détails cachés. Je, euh, je profite pour attirer votre attention que vous avez une note sur la qualité graphique. Lorsque je dis un trait continu fort, c'est un trait continu fort. Donc essayez d'appuyer un peu sur la porte mine ou bien sur le crayon. Lorsque je dis un trait interrompu, c'est un trait interrompu fin et c'est un trait normalisé. Ça veut dire ne faites pas des traits qui sont tr trop gros. Et très éloignés les uns des autres. Vous avez un trait interrompu représenté. Essayez de respecter la même norme des petits traits avec des petits espaces. Et ne faites pas trop grand et ne faites pas trop petit. Vous avez une note sur la qualité graphique de votre dessin. Donc, ça c'est pour les détails cachés. Ensuite, ce détail-là qui est le trou lamé, donc par projection sur la vue de face, il sera vu. Voilà ce que ça donne. Donc, je remplace les traits. Continue euh, plutôt les traits euh, interrompus par un trait fort. Ensuite, voilà ce que j'obtiens jusqu'à ce niveau. La partie suivante, maintenant, je vais m'intéresser à la coupe brisée. Donc, comme on l'a dit, on va faire tourner tous ces détails-là par rapport à l'axe euh, droit de la pièce et on va projeter. Donc, déjà, je commence par la forme extérieure de la pièce. Voilà. Donc, la forme est apparue. Maintenant, le trou lamé, la projection de la même façon, et je vais trouver cette forme. Il me reste à indiquer, plutôt à représenter les hachures, bien sûr, parce qu'il s'agit d'une coupe. Et voilà, la forme de la vue de face est terminée. Donc, j'ai fait la première question, la vue de gauche et la vue de face. Je vais passer maintenant à inscrire les tolérances des codes fonctionnels et les tolérances géométriques nécessaires au bon fonctionnement des mé du mécanisme. Alors, je vais commencer par la partie la plus facile, les tolérances géométriques. On me demande ici de comparer cette surface qui est indiquée par une flèche par rapport à la surface B. Bien sûr, la surface B, c'est une forme cylindrique, donc je compare cette surface par rapport à l'axe de, la de la surface B. Et je remarque que ce sont deux surfaces perpendiculaires. J'indique seulement le symbole de... Euh, de cette contrainte-là, s'il vous plaît, parfois vous êtes mené à indiquer le symbole et par rapport à quelle surface, la surface de référence. Les erreurs qu'on voit sur les dans, lors de la correction, parfois les élèves ont tendance à inverser. Non, la première case c'est pour le symbole, la deuxième case c'est pour l'intervalle de tolérance s'il est indiqué, sinon c'est indiqué par une croix et par rapport à la surface de référence. Donc la surface de référence c'est la dernière case. Pour la deuxième contrainte géométrique, on me demande de comparer ce cercle, qui est cet alésage-là, par rapport à la surface B. Deux formes cylindriques, donc la contrainte, vous la connaissez, c'est la coaxialité ou bien la concentricité. Maintenant, pour les tolérances des cotes fonctionnelles, donc ces deux côtes là qui sont indiquées par le symbole diamètre, je vais commencer par ce diamètre-là. Alors là, il y a une petite difficulté ou bien un petit travail à faire. Il faut déjà commencer par identifier la surface. Cette surface fonctionnelle, elle a quoi comme fonction Donc, on peut faire ça que si on revient au dessin d'ensemble. En revenant au dessin d'ensemble, la pièce que j'ai représentée, c'est la pièce 34, c'est le couvercle 34. La surface demandée, c'est cette partie-là. Donc. J'ai inversé le dessin pour avoir la même disposition que le dessin que je viens de réaliser. Peut-être vous remarquez ici une dissymétrie entre la partie inférieure et la partie supérieure du couvercle, parce que à ce niveau-là, la coupe a été réalisée droite. Donc c'est pourquoi cette partie-là est plus grande que l'autre la partie, partie. Donc à ce niveau-là, euh, on me demande de trouver la tolérance indiquée sur cette surface-là que j'ai colorée en vert. Je remarque la présence d'un joint à lèvres et on sait que la tolérance du porté du joint à lèvres dans l'alésage, ou bien l'alésage dans lequel est monté, c'est cet alésage-là, dans lequel sera monté le joint à lèvres, a une, to une tolérance grand H8. Donc j'indique ici, diamètre 40, grand H8. La deuxième surface qui est demandée, c'est cette portée-là, là où il y a l'assemblage entre le couvercle et le bâti 15. Donc il s'agit d'une surface qui a pour fonction un assemblage entre deux pièces immobiles l'une par rapport à l'autre, montage possible à la main parce que les deux pièces sont fixées par une vis. Donc l'ajustement entre ces deux pièces-là, c'est de type H7, H6. Comme on l'a vu en troisième année, la lettre majuscule c'est pour l'alésage, la lettre minuscule c'est pour l'âpre. Donc je dois réfléchir un peu quelle lettre je dois mener. Est-ce qu'il s'agit d'un arbre, cette forme-là? Est-ce qu'il s'agit d'un arbre ou bien d'un alésage? C'est une forme cylindrique extérieure. Donc elle est là, une forme cylindrique extérieure. Donc je conclus que c'est. on appelle ça un arbre dans ce cas-là. Parce que le couvercle, c'est lui qui entre dans le, dans le bâti. Donc c'est la lettre minuscule qui m'intéresse seulement. Donc je vais indiquer diamètre 50, petit h 6. Et voilà le résultat final de mon dessin. Voilà donc, je vous remercie et euh, j'essaie que je vous ai donné quelques, quelques conseils euh, euh, qui vous seront utiles. Je vous souhaite beaucoup de courage, une bonne révision et bonne réussite pour tout le monde. Merci.